Allez, salut, salut les gars, voilà, j'espère que vous allez bien, ça dit moi de Samospita et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc si c'est la première fois de voir ma vidéo, essayez comme ça de me donner une pouce bleu d'abord avant de commencer à lire la vidéo. Et puis essayez aussi de partager mes vidéos. S'il y a des questions pour des vidéos, essayez de mettre votre commentaire. Comme ça, je vais essayer comme ça de vous répondre. Voilà, donc je suis juste là pour vous présenter, pour vous dire que la bourse, tant entendu, la bourse de la Turquie est déjà lancée. La bourse de gouvernement turc est lancée. Voilà, et vous savez déjà que cette bourse, ça concerne la licence, le master et le doctorat. Donc ça, il n'y a rien à dire. Tout à l'heure, je vais faire la vidéo. Comme ça, vous allez mieux comprendre et puis essayer de postuler. À plus, les gars. Alors, salut les gars, voilà, donc c'est la plateforme qui est là et puis c'est l'interface de la bourse de la Turquie qui est là. C'est une bourse qui est vraiment très connue, voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une bourse qui est hyper connue et c'est une bourse qui ne lève pas les mains, c'est-à-dire qui sélectionne des étudiants et des étudiants qui sont vraiment talentueux. Voilà, donc pour postuler à cette bourse-là, comme je vous ai déjà dit, voilà, il faudrait... pour la licence, être âgé de moins de 21 ans, pour le master 30 ans, pour le doctorat et de recherche 35 ans, 30 ans, oui, 35 ans, comprenez? Et ça peut aller jusqu'à 45 ans. Voilà, donc pour pouvoir postuler cette bourse-là, on va d'abord voir quelles sont les caractéristiques, quels sont les éléments qu'il vous faut pour pouvoir postuler cette bourse-là. Donc, si on vient dans Turkish Scholarship, on vient dans les critères de sélection ici. Les critères et puis programme de bourse. Voilà, donc ici par exemple, si on prend les éléments des critères minimal, je vais mettre en français comme ça, tout le monde sera au même niveau que moi. Donc, ici, comme je vous l'ai dit, la plateforme regroupe 8 langues. Voilà, donc vous pouvez traduire à chaque instant vos éléments ici avec le browser en français, en anglais, en arabe et tout ça. Voilà, donc ici. Pour les candidats du premier cycle, il faut avoir une compétence de 70%. Et pour les candidats du diplôme, c'est-à-dire ceux qui sont déjà diplômés, c'est-à-dire ils ont déjà la licence pour faire le master, 75%, ou bien le doctorat aussi, 75%. Maintenant, ceux qui veulent faire, par exemple, mais sinon, 90%. Ça, ce sont les moyennes que vous devez avoir en termes de pour la plus grande sélection, vous comprenez? Mais comme j'ai dit, ceux qui n'ont pas, ceux qui pensent qu'ils ont par exemple comme ça 12 de moyenne ou bien 11 de moyenne et qui pensent qu'ils ne seront pas sélectionnés, je vous dis comme ça que vous ratez votre chance en ne postulant pas parce que en fait les moyennes qui sont là vont dépendre des... Ça, ce sont les moyennes en général qu'ils ont besoin. Voilà, ça c'est ce qu'ils vous ont dit qu'ils ont besoin. Mais en réalité, imaginez-vous que vous êtes la première personne puisque ce cas est déjà arrivé avec nous dans plusieurs domaines. Imaginez que vous avez 11 de moyenne ou bien 12 de moyenne et que vous voulez postuler dans une filière qui est vraiment très rare où ils ont besoin des étudiants. Avec 12 de moyenne, c'est possible. Donc ne vous découragez pas, postulez dès que vous pouvez. Voilà, 12 de moyenne, 11 de moyenne, ça passe. Donc ne vous fatiguez pas, dites que vous ne postulez pas. Pour cette bourse-là, vous ne payez rien. Ça, c'est ces éléments qui sont là, c'est-à-dire ces critères qui sont là. C'est au cas où il y a vraiment de l'afflux dans une faculté, c'est-à-dire. Si tout le monde veut postuler pour la physique ou bien les mathématiques, là, ils vont appliquer directement ces éléments-là. Vous comprenez? Mais il y a des cas comme ça où c'est rare que l'étudiant postule dans une faculté. Donc, si vous êtes deux ou bien une personne, s'ils ont besoin de deux personnes, ils vont vous sélectionner. Alors, essayez de ne pas vous morfondre sous votre sort en disant que vous n'avez pas de bonne moyenne et tout ça. Parce que ça ne va pas changer, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas changer, donc postulez à cette bourse-là. Voilà, donc après cela, voici les critères d'âge pour le programme de premier cycle, c'est moins de quoi? Moins de 21 ans. Et ceux du master 30 ans, comme je vous le disais, doctorat 35 ans, et ceux de recherche 45 ans. Voilà, donc vous pouvez postuler. Et en termes de groupe d'admissibilité, pour les pays qui sont éligibles, tous les pays peuvent postuler, sauf les Turcs eux-mêmes. Voilà, donc... vous n'avez pas grand chose à perdre. Ok, donc pour pouvoir postuler maintenant, on va essayer d'aller comme ça
essayer d'abord de créer notre compte sur cette plateforme afin de pouvoir postuler à la bourse et tout ça. Maintenant, je vais essayer comme ça de vous montrer un peu les étapes de candidature. Donc, pour pouvoir postuler comme ça, il faudra d'abord créer votre compte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous créez votre compte ici en premier lieu. Et après cela, vous allez mettre tous vos documents sur ce compte-là. Voilà. Et après cela, vous allez maintenant sélectionner vos universités et tout ça. Vous allez écrire après votre lettre d'intention, votre lettre de motivation et pourquoi est-ce que vous voulez étudier là-bas en Turquie. Voilà. Et après cela, vous allez faire un review. Vous allez vérifier vos éléments et tout ça et soumettre votre candidature et c'est tout. Voilà. Donc vous n'avez rien à payer. Alors postulez les gars. Vous n'avez pratiquement rien à payer. Donc ici, par exemple, comme ça, les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler, on a quoi? On a une pièce d'identité ou bien une carte d'identité ou bien un passeport. Voilà. Mais ceux qui ont des passeports, je vous dis toujours que il y a plus de considération en ce qui concerne les documents que vous avez. Voilà. Donc ceux qui ont un passeport sont vraiment les bienvenus. Et puis si vous avez un passeport, dans un premier temps, vous êtes dans un grand viseur. Voilà. Donc je crois que ceux qui n'ont pas de passeport, vous devez chercher votre passeport. Une autre photographie du candidat, c'est-à-dire vous devez avoir comme ça une photo numérique. Et la photo numérique, essayez de prendre une photo numérique avec un fond blanc, vous comprenez? Avec un fond blanc, cela pourra aussi vous arranger. Tout ça, ça compte. Donc prenez soin, si vous voulez postuler, prenez soin de mieux les faire. Voilà. Donc ici, diplôme ou certificat de fin d'année. Donc et transcription aussi, c'est-à-dire vous allez prendre votre diplôme et vos relevés. Voilà. Et après cela, résultat d'examen, ça, ce n'est pas vraiment requis parce que ça, c'est très rare qu'on vous demande cela parce que de toute façon, vous allez postuler comme ça avec les états de langue. Vous allez postuler comme ça et vous allez faire des cours pour une année de langue russe avant de pouvoir et une année de langue, excusez-moi, pas de langue russe, mais une année de langue turque avant de pouvoir commencer les cours. Donc il y a des éléments ici qui ne sont pas vraiment valables. Mais ça concerne beaucoup plus ceux qui sont les doctorants. Voilà, un doctorant, c'est il y a des doctorants qui ont envie d'étudier en anglais comme ça, donc et assister un peu à des cours un peu plus particuliers. Donc vous allez pouvoir faire des tests de GRE ou bien GMAT ou bien SAT et aussi avoir des critères d'anglais en TOEFL et SS. Vous comprenez? Voilà, donc comme vous l'avez bien vu ici, résultat des tests de langue internationale tels que TAF, si requis par l'université ou bien le programme que vous avez choisi. Vous comprenez? Mais dans plusieurs cas, ça concerne vraiment que le doctorant et un peu de master dans des facultés. Voilà, donc et ici aussi une proposition du projet, du sujet de recherche. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important pour les masters et les doctorats. Uniquement, voilà, uniquement pour les candidatures du doctorat. Donc, c'est vraiment très important. Donc, voilà, donc une fois qu'on finit, on va maintenant essayer comme ça d'aller chercher à s'inscrire afin de pouvoir postuler. Donc, on vient dans Application et Connexion. Donc, vous cliquez là. Même si vous cliquez Connexion, ils vont vous demander de vous d'abord de vous inscrire et tout ça. Donc, ici, si vous avez bien vu, vous devez créer une inscription avant de déposer votre candidature de bourse. L'inscription étant gratuite, elle prendra au moins 2 minutes. Il suffit de créer une seule inscription. L'exactitude de vos informations importantes pour obtenir des bourses. L'application prend 30 à 60 minutes. Voilà, donc nous on va essayer de subdiviser en plusieurs vidéos pour ne pas que la vidéo soit trop lourde. Sinon, je vais pas pouvoir vous envoyer cette vidéo là. Ok, donc d'abord, dans un premier temps, ça j'avais déjà fait. Vous voyez ce que là, j'avais déjà aidé des personnes. Voilà, donc ici nous on va créer notre compte et après cela, comme on va créer un compte comme si je suis un nouveau étudiant. Donc ici, inscrivez-vous ici. On va créer le compte ici en cliquant sur inscrivez-vous et vous allez créer vos éléments ici. Donc comme je vous l'ai dit, moi je ne prends pas toujours de vrai nom, je prends toujours des éléments pour vous montrer juste comment est-ce que vous devez postuler. Donc pour ceux qui m'ont écrit en ce qui concerne pour me demander de poursuivre la bourse de la Belgique, la bourse AREX, sachez que en réalité la bourse AREX, pour pouvoir postuler, excusez-moi, je vais, c'est juste une parenthèse pour ceux qui m'envoient des messages pour postuler à la bourse AREX. La bourse AREX, sachez que si je veux continuer la bourse AREX, il faudrait que l'application ou la structure AREX me réponde pour me dire de continuer.
ils ne peuvent pas me répondre pour qu'ils puissent continuer parce que les informations que j'ai rentrées sont de fausses informations. Je n'ai même pas rentré de. Je n'ai rien rentré de normal, vous comprenez? C'est juste une procédure que je vous montre. Donc, ils ne peuvent pas me dire de continuer parce que ce ne sont pas de vraies informations. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, donc, on va continuer comme ça. Et puis, ici, c'est le prénom, le deuxième nom. Et puis, le nom. Donc, le prénom, je vais prendre par exemple le nom. Dika. Et mon deuxième nom, ici, c'est mon deuxième nom, les lettres latines. Ok, et mon nom, je vais prendre comme ça. Ok, ça fait un peu latino, mais c'est bon. Donc, et le sexe, bon, la date de naissance, vous choisissez votre date de naissance ici. Étant donné que je vais considérer que je viens pour la licence, donc je vais considérer que je suis né par exemple la licence avec moins de 21 ans, donc je considère que je suis j'ai 20 ans. Voilà, si j'ai 20 ans ou bien 19 ans, bon, si j'ai 20 ans, c'est un peu plus mieux. Donc nous sommes en 2022. Alors si j'ai 20 ans, je dois être né en 2002, mais je considère que je suis né comme ça en 2003 ou bien 2004. Je vais considérer que je suis né en 2004, comme ça je serai éligible à pouvoir postuler. Parce que si vous mettez une date qui n'est pas très éligible, le système peut vous bloquer, le système peut vous dire que vous n'êtes pas éligible à postuler, donc vous ne pourrez pas postuler. Donc je considère que je suis né en 2004, comme ça. Donc je suis né en janvier 2004, le 6 janvier 2004. Voilà, donc la nationalité, Côte d'Ivoire. Ok, et maintenant ici, mon email. Ok, après cela, je prends le mot de passe. Une fois que j'ai fini avec le mot de passe, je ressaisis ici le mot de passe. Ok, ici je ressaisis un peu mon mail. Ok, je crois que ça va maintenant. Donc, après cela, ici, vous devez poser une réponse, une question et une réponse secrète. Voilà, donc vous posez une question ici et vous répondez vous-même. Ça sera comme ça, votre mot de passe, votre lien de secours. Si votre compte est bloqué, vous pouvez comme ça récupérer cela rapidement. Donc, ici, je vais mettre votre pays. Donc ici je mets comme ça votre pays et je vais répondre Côte d'Ivoire. Comprenez? Prenez une chose que vous n'allez pas vite oublier, comme ça si on vous demande, vous allez pouvoir répondre votre lien ou bien récupérer votre compte. Donc Côte d'Ivoire. Ok, donc après cela, je ne suis pas robot.
S'il y a un souci, ils vont nous dire et on va reprendre. Donc voilà, on peut faire des erreurs partout. Ok, je vois que ça va. Et maintenant, je vais enregistrer ici. S'il y a un souci, ils vont nous faire signe et puis on va aller rectifier. Ok, assurez-vous que votre nom, prénom sont corrects, utilisés dans le procès de nationalité cannot be changed is the next step. Donc ici, on nous dit de bien vérifier parce que la nationalité, on ne pourra pas changer après. Donc vérifiez très bien si tout va bien, vous confirmez et puis vous enregistrez. Voilà, donc vérifions. Donc ici, monsieur Tantan, votre enregistrement est achevé avec succès. Nous vous remercions d'avoir choisi la bourse de Turquie. Nous avons envoyé un lien. Voilà, donc vous allez partir sur ce lien-là, vous allez cliquer. Et attention, le courrier électronique d'activation devient nul en cas d'absence d'approbation pendant 48 heures. Donc, en 2 jours, si vous ne cliquez pas sur le lien, vous allez devoir reprendre. Ces courriers électroniques sont parfois considérés comme spam. De ce fait, n'oubliez pas de contrôler la boîte de courrier spam ou bien junk. Donc, ici, sous 48 heures, si vous ne... ils ont déjà envoyé un message. Donc, on va aller là-bas pour aller voir et essayer de répondre à ce message-là. Cliquez sur ce message pour confirmer notre lien. Voilà, pour dire que nous voulons vraiment postuler et que c'est notre boîte email. Et lorsqu'on va finir comme ça, n'oubliez pas, si vous partez et que vous ne trouvez pas cela dans la boîte normalement, c'est-à-dire où les messages viennent, essayez d'y aller dans le spam. Parfois aussi, ils envoient ce message là-bas. Voilà, donc on va aller comme ça dans notre boîte comme ça pour aller vérifier. Et si on a le lien là-bas, on va confirmer et puis on va essayer maintenant de passer à l'étape suivante. Voilà, l'étape suivante, ça sera pourquoi? Ça sera de mettre maintenant nos dossiers créés sur la plateforme, essayer de mettre aussi nos dossiers et tout ça. Donc, je viens dans mon mail ici pour voir un peu si j'ai reçu des messages. Comme ça, je pourrai continuer à postuler. D'abord, on va confirmer et maintenant, essayer de continuer à postuler. Donc, on va attendre que l'élément charge un peu. Voilà, donc comme vous l'avez vu là, Turkish Scholarship. Donc, je viens là. Voilà. Je viens là. Et puis, il y a un lien là. Donc, vous allez cliquer sur ce lien pour pouvoir confirmer votre boîte, pour pouvoir confirmer votre identité. Voilà. Donc, une fois que je clique là, sous le lien qui se trouve en bleu, vous voyez ici. C'est en langue turque, mais ça veut dire que ça veut dire félicitations. Vous pouvez maintenant commencer à postuler que vous êtes bien enregistré. Donc, après cela, vous cliquez sur ici, Anasafia, donc ici là, et ça vous envoie directement sur la plateforme. Vous voyez ici, voilà. Et vous remettez maintenant vos éléments pour pouvoir commencer à postuler. Voilà les éléments, c'est-à-dire votre mail que vous avez et votre mot de passe que vous avez créé. Et vous cliquez sur se connecter pour pouvoir commencer maintenant à postuler. Voilà, donc je vais faire un breaking, je vais m'arrêter là et puis je vais faire une vidéo tout à l'heure pour pouvoir continuer. Donc les gars, donnez-moi un pouce bleu, voilà, et puis essayez aussi de partager mes vidéos sur les plateformes de Facebook et tout ça. Voilà, donc à tout à l'heure les gars.